La Martinique est assez atypique en positif parce que globalement, nous avons un taux d'équipement des consommateurs martiniquais beaucoup plus élevé qu'en métropole ou ailleurs. Il y a aussi un taux d'usage plus important, une consommation de la data plus importante. Ça veut dire derrière qu'il y a une attente de service. Donc les startups locales ont un rôle à jouer dans l'offre de services globalement qu'elles doivent proposer aux Martiniquais. C'est ça que nous voulons accompagner. Il n'y a pas de révolution numérique sans des terminaux, du réseau, mais surtout des services et de l'usage. Et c'est bien l'enjeu que nous avons ici d'accompagner la fin de l'histoire.